Oi, Yashere Yenu, Matoy Frederikeinu, Ayumanaim, Goraleinu, Ayumayafa, Yafa, 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 Yerushateinu. Bonsoir à toutes et à tous. Oi, Yashere Yenu, Matoy Frederikeinu, Umanahim goraleinu hayumayafa yafa 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 yerushateinu hay ay 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 tiridai tiridai ay 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 tiridalay ay 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 tiridalay ay tiridalay ay 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 tiridalay ay Oy Yashereinu, Matoyev Chelkeinu, Umanayim Goraleinu, Umayafa, Yafa, 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 Yerushateinu. Ashereinu, Matoyev Chelkeinu, Umanayim Goraleinu, Umayafa, Yafa, Yafa, Yafa Yerushateinu, ay 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 ay, tadada ay ay ay, tadada ay ay ay, tadada ay ay ay, ay ay ay, tadada ay ay ay, ay tadada ay ay ay, ay ay ay, tadada ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, da-da-da, ay-ay-ay, da-da-da, ay-ay-ay, da-da-da, ay-ay-ay, ay-ay-ay, da-da-la-ay, da-da-da, ay-ay-ay, ay-ay-ay, da-da-la-ay, da-da-la-ay, ay-ay-ay, ay-ay-ay, da-da-la-ay, da-da-la-ay, ay-ay-ay. Hashereinu, matoy frelkeinu. Ayumanahim goraleinu umayafa yafa 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 yerushateinu ashereinu matov chelkeinu ayumanahim goraleinu umayafa yafa 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 yerushateinu ay 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 tadadai tadadai ay ay tadadai ay ay Brochim Abaim, bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver aussi nombreux. Et je vous remercie d'être là. C'est grâce à vous si on est là et qu'on est toujours là avec force et conviction. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Oui, on peut démarrer déjà avec cette bénédiction, même si c'est de coutume de le dire en fin de cours. Que Dieu vous bénisse et merci d'être là. On va démarrer tout de suite ensemble, on va développer bien sûr quelles sont les notions, qu'est-ce qui permet réellement de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, mais également comment développer nos traits de caractère. Aller au fond de ces traits de caractère. Un grand Baruch Haba, Baruchim Abaim à toutes et à tous qui nous rejoignent. Je ne vois pas les prénoms de chacun et de chacune, donc vous êtes tous les Baruchim Abaim.
et les bienvenus. Voilà. Je vous souhaite un très très grand l'Echaïm. C'est très important. L'Echaïm, l'Echaïm. Et bien sûr, une belle nouvelle. Baruch HaShem. Alors, depuis quelques jours, nous faisions ces shiurim-là pour la Refuah Shelema, la guérison totale et complète de notre cher Raphaël Schneur-Zalman Ben Bracha Simcha. La bonne nouvelle, c'est qu'il est hors de danger. Et donc ça, c'est un miracle. Il faut donc dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem pour toutes tes merveilles. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, à chaque instant, toujours, tout le temps. Et puis, rappelez-vous, chaque instant, chaque minute, chaque seconde que nous vivons sur Terre, c'est un miracle. Et donc, il faut dire merci à Hachem pour chaque moment que nous vivons sur Terre. Et merci à vous. Merci pour chaque moment que nous vivons ensemble. À travers ces mots de chassidut, ces mots d'études de Torah, de profondeur, qui nous permettent de nous attacher encore un petit peu plus à ce que nous sommes au fin fond de notre propre intérieur, cette parcelle divine qui est en nous et qui brille et qui vibre. L'intellect et les sentiments. Vous vous souvenez de cela, hier on est resté un petit peu sur cette notion-là, sur ce principe-là. C'est l'intellect qui régit, qui gère un petit peu tout. Baruch haba mon ami Feivel, c'est un plaisir de te voir, précisément toi. La Torah Tachassidut nous explique, et elle parle souvent, elle approfondit vraiment cette question-là, à savoir l'intellect et la connexion de l'intellect avec les sentiments. Il faut savoir qu'il, pour pouvoir mettre en mouvement l'intellect, quelque chose qui nous aide énormément, qui nous permettra de créer, de générer, de susciter un intérêt particulier et une indépendance de nos sentiments, de nos ressentis, de ce que nous vivons à chaque moment de notre vie. Qu'est-ce qui va nous permettre vraiment de prendre le contrôle de tout ce qui nous arrive dans cette vie, en cette vie ? On peut vivre avec des beaux principes, de belles valeurs, on peut avoir de beaux repères, de beaux ancrages psychologiques, mais souvent, on a du mal avec ce qui nous arrive, c'est-à-dire à prendre réellement possession de ce qui nous arrive, et c'est-à-dire de pouvoir maîtriser les événements de notre vie. Est-ce que c'est possible, cela ? Est-ce qu'on est vraiment indépendant de tout ce qui nous arrive, ou est-ce qu'on a quand même une capacité quand même d'influence ? On a les pleins pouvoirs, ou est-ce que c'est Dieu qui dirige tout, et puis nous sommes juste là à subir ce qui nous arrive ? Est-ce qu'on peut maîtriser nos traits de caractère, ou pas ? On peut maîtriser ce qui se passe dans notre cerveau ? Oui, on peut maîtriser aussi la possibilité que vous avez, vous, chacun et chacune d'entre vous, de partager cette publication, parce que c'est ce qui permettra encore et encore à du monde de venir et de liker, voilà, de mettre des pouces partout où vous êtes. C'est important, partager encore et encore et toujours. Je compte sur vous. Alors, on a cette possibilité en réalité, il faut le savoir, je ne vous ai pas laissé répondre, mais même si vous pouvez donner votre réponse sur ces commentaires, en live ou en replay, bien sûr, oui. On a la possibilité de prendre le pouvoir, le plein pouvoir de ce que nous sommes, nous. Oui, on peut le faire. Parce que nous sommes connectés avec Dieu, et que lorsque l'on apprend à connaître Dieu, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous a été donnée, elle nous a donné cette chance-là, infinie, qui nous permet de connaître Dieu. Et lorsque l'on connaît Dieu, on arrive à s'attacher à quelque chose de grand, de supérieur, de suprême. Quelque chose de tellement fort, du divin en réalité. La divinité d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle, elle nous permet justement d'atteindre des niveaux, des sommets qu'on ne pourrait même pas soupçonner. Pourquoi ? Puisque ces sommets-là, c'est des sommets qui sont réellement ce que nous vivons à chaque instant de notre vie, c'est la présence divine. Mais cette présence divine, il faut la réveiller, il faut la révéler. Il ne faut pas la laisser comme ça exister sans qu'on puisse la vivre à chaque instant de notre vie. Il faut en être conscient et puis agir en conséquence, hein ? Réellement prendre le pouvoir de tout cela et se dire, voilà, je vais approfondir l'idée de Dieu, approfondir la connaissance de Dieu, et plus je vais apprendre et prendre des connaissances dans la divinité et en Dieu, eh bien, je vais pouvoir moi-même m'élever sur ma propre personne, m'élever sur ce qui arrive autour de moi, dans ma vie de tous les jours, prendre de la hauteur, prendre du recul face à tout ce qui se passe dans tous les moments de notre vie, que ce soit la vie familiale, la vie sociale, la vie au travail et, bien sûr, la vie du sort de notre peuple tout entier et de l'humanité tout entière. On a un impact, une influence surtout, lorsque l'on apprend la Torah. Oui, il y a un lien réel. Lorsqu'on apprend à découvrir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, eh bien, on peut réellement le faire. Première chose, déjà, par l'intellect. Alors, l'intellect, ça va être de travailler la connaissance de Dieu. L'intellect, comment est-ce qu'il travaille ? Il travaille en étudiant, en participant,
en mettant en mouvement tout ce système là, cérébral et intellectuel qui nous a été offert par Dieu, mais qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de mettre en mouvement l'étude, l'intellect, apprendre de l'unicité de Dieu. Comment est-ce que Dieu est un ? Comment il est unique ? Comment est-ce que dans chaque élément de la créature, dans l'infini, dans la multitude de la multitude et l'infini de la multitude, je suis capable de voir la force de création et la force de l'infini qu'il y a dans cette créature, c'est-à-dire Dieu. Voir comment je ne suis rien, qu'il est tout, intellectuellement, c'est-à-dire aller le travailler. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un coup. Il faut que j'approfondisse cette idée. Et tous les jours de ma vie, chaque instant que je vais investir à cela, à cette profondeur, à cette analyse-là intellectuelle, va me permettre d'atteindre des sommets. Et je vais comprendre comment est-ce que Dieu, intellectuellement, pas juste comme ça en ressenti, parce que je mets les téphilines ou parce que sans réfléchir, je fais telle ou telle mitzvah. Non, j'ai besoin de créer cérébralement et intellectuellement une connexion. Et cette connexion et cette conscience-là, je réussis à la créer, justement, lorsque je vais travailler avec mon intellect, avec ma sagesse, avec la profondeur de mon esprit. Je vais approfondir les idées, je vais les réfléchir, les analyser, les pétrir, aller au fin fond de chaque idée. Étudier tous les textes de la Torah, la profondeur du Talmud comme les textes cachés du Zohar, ce qui nous paraît caché. Révéler toutes ces forces-là intellectuelles qu'il y a, cette sagesse suprême, c'est ce qui me permet de prendre plus conscience, encore plus conscience de ce qu'est la connexion avec Dieu. Révéler Dieu cérébralement, intellectuellement. Comprendre comment Dieu il dirige le monde, de quelle façon il le fait, comment cela se passe. Comment ce même Dieu qui était là, dans le désert, qui accompagnait les bénis Israël lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, c'est le même Dieu qui va se retrouver face à un peuple qui va se révolter parce qu'il veut encore de la viande dans le désert. Que cela ne lui a pas suffi de manger de la manne et de boire de l'eau lorsqu'il en avait besoin. Ce même Dieu-là qui est là, qui nous permet d'exister, de vivre chaque moment et chaque instant de notre histoire. Tout cela, tout ce que Dieu a fait dans ce monde-là, c'est pour que l'on puisse, nous, chacun et chacune d'entre nous, accomplir sa volonté, être heureux dans ce monde-là, dans cette vie-là, pour que cet accomplissement puisse venir par la connaissance de Dieu et que ce ne soit pas juste des actes techniques. Vous vous souvenez qu'hier, on a développé l'idée, et c'est la raison pour laquelle maintenant on développe comment, dans l'intellect, dans le sentiment et dans la conduite, on va pouvoir traduire cela dans quelque chose de concret et de réel, à savoir comment donner de l'âme à nos actions. Comment donner de l'âme, de la vitalité, de l'engouement, du bonheur, de la vraie joie véritable à tout ce qui nous arrive dans notre vie et qui se trouve dans chaque moment de notre vie. Peu importe le moment qu'on est en train de vivre, peu importe le niveau de vie, peu importe le détachement que l'on a face à ce qui se passe sur Terre, face à notre rapport par rapport à la vie, face à notre jugement, face au détachement qu'on a pu avoir, face à la véritable joie et à la véritable harmonie que l'on trouve dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et que ce soit réellement quelque chose que je vis, parce que j'y retrouve une vitalité, et pas juste parce que j'ai appris à le faire. Oui, parce que j'ai réussi à comprendre la profondeur de l'acte. Peu importe le niveau de religiosité que j'ai, plus je vais approfondir ce qu'il y a derrière chaque mitzvah, et plus je vais ou découvrir l'intérêt qu'il y a dans une mitzvah, ou une mitzvah que je n'ai jamais faite, donc je vais comprendre pourquoi la faire, pourquoi l'accomplir, ou tout simplement, une mitzvah que j'ai faite pendant toute ma vie, je vais lui redonner toute sa splendeur, toute sa vitalité. Je vais retrouver le goût à cette mitzvah. Je vais comprendre pourquoi est-ce que, depuis que je suis petit, je fais tel et tel mitzvah, ou tel et tel acte, ou j'étudie tel et tel texte. Oui, un enfant qui va étudier, par exemple, de la Guémara, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on lui demande au fil des pages et des pages et des pages, d'aller chercher à comprendre pourquoi est-ce que tel maître, tel abayé a compris la Mishnah de cette façon, Rav Yosef a compris le Talmud de cette façon, et puis chacun qui donne son avis, et puis cet enfant qui vous dit mais à quoi cela rime tout cela? Pourquoi tout cela? Qu'est-ce que ça va nous changer dans la vie tout cela? Oui, c'est réel, concret. Ben, la réponse, elle est celle-ci. Quand on étudie, quand on approfondit une idée, on rentre et on entre dans la sagesse d'HaKadosh Baruch Hu. On rentre dans les méandres de l'infinie sagesse de Dieu. Cette sagesse qui s'immisce, qui s'introduit, qui vient dans chaque petit détail de notre vie. Et lorsqu'on étudie des sujets même qui n'ont pas de rapport avec ce que nous faisons tous les jours de notre vie, notre but, ce n'est pas juste
de faire bouger nos neurones et de travailler, d'intellectualiser, puis de devenir très intelligent et très sagement, pas du tout cela. C'est qu'à travers chaque avis et chaque détail qui est approfondi dans chaque texte, je réussis à voir et à m'approcher de la grandeur de Dieu. Je vois la grandeur de Dieu et plus je vois et que j'en suis conscient, plus je m'y attache et plus je m'y attache, plus je m'élève, plus je me détache de cette matérialité dans laquelle je vis. Et puis je réussis à sanctifier cette matérialité dans laquelle je vis. La profondeur d'un texte de Gemara comme la profondeur d'un texte de Kabbalah a toujours la même fonction, de me montrer comment Dieu peut s'immiscer dans tous les petits détails, qu'il est là, qu'il est présent, et qu'à travers la sagesse, plus j'approfondis l'idée que ce soit du bon ou du mauvais, quand j'étaye et je détaille, que je cherche et je comprends pourquoi est-ce que je pourrais permettre telle ou telle chose, pourquoi je pourrais l'interdire, pourquoi est-ce que tel maître, tel sage pense qu'il faut permettre, tel sage pense qu'il faut interdire, pourquoi est-ce que plus j'avance dans toutes les argumentations d'un côté ou de l'autre, et qui me permettent d'étayer et d'approfondir et d'éclaircir une idée à travers les sages et puis ce qu'on appelle les décisionnaires à travers toutes les générations et ceux qui ont commenté à travers les générations jusqu'à notre génération pendant des milliers d'années. Cette infinie sagesse-là, elle me permet de quoi ? De découvrir là où est la vérité. Qui est-ce qu'on va écouter ? À qui on va donner raison ? Est-ce que ce sera permis ou ce sera interdit ? À l'homme, à la femme ? Est-ce que c'est celui qui a trouvé cet objet-là et qui prétend l'avoir trouvé de cette façon? Est-ce que c'est ce témoin qu'on va écouter ou c'est l'autre? Est-ce qu'il en faut deux? Est-ce qu'il en faut un? On étaye, on approfondit, on éclaircit, on débroussaille, on va au cœur du sujet, on essaye de trouver la vraie vérité. Et la vraie vérité vraie, c'est le message de Dieu, c'est cette connaissance-là qui se révèle. Et plus on avance dans cette recherche intellectuelle, et plus on apprend à connaître Dieu. Et plus on apprend à connaître Dieu, et plus on se rapproche de cet idéal, et plus on se détache un petit peu des limites du monde. Et lorsqu'un homme, il passe son temps, ou en tout cas, il essaye autant qu'il peut, au maximum de passer du temps intellectuellement pour étudier la Torah, eh bien il révèle cette sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Et cette sagesse-là, elle fait en sorte qu'il se sanctifie, qu'il se purifie, qu'il s'élève. Attention, toujours parce qu'il cherche Dieu. Il cherche non pas ce que lui, il veut à travers la sagesse intellectuelle que cela peut lui apporter. Pas du tout. Puisqu'un homme peut étudier toute la journée et être quelqu'un de très mauvais, qui ne va pas travailler malheureusement ses midotes, ses traits de caractère. Qu'est-ce qui va faire que cette étude de la Torah, cette recherche de la connaissance de Dieu, comprendre Dieu, la sagesse, la pleine conscience de la divinité dans ma vie, peut transformer mon existence et me donner moi aussi des outils qui vont me permettre de prendre possession de ce que je suis, et également de pouvoir maîtriser ce que je suis et maîtriser ma vie et ne pas être dépendant des pulsions qui s'installent et qui s'imposent à moi, qu'est-ce qui me permet de reprendre le pouvoir de tout cela? C'est justement le fait de me rappeler toujours, 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 que cette connaissance de Dieu, elle est là et elle influence, elle imprègne chaque moment de ma vie, chaque élément de ma vie, chaque élément de l'existence de ma vie dans tous les domaines, matériel et spirituel. C'est la seule chose qui doit me motiver. Donc ça, c'est intellectuellement, le côté sechel. Mais il y a également aussi ce qui doit susciter également du regesh, du sentiment, du ressenti. Parce qu'un juif, un homme, vit avec le ressenti, il a besoin de ressentir. Comprendre, ça n'est pas suffisant. Alors, le ressenti, cela se fait par exemple dans la tefila. Ce n'est pas seulement l'étude, réussir à prier. Il y a des gens qui prient des heures, il y a des gens qui prient très peu. La prière, la ferveur de la prière, de la tefila, c'est ce qui nous peut nous permettre de vibrer, de ressentir, d'avoir une émotion d'attachement avec HaKadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Il est écrit dans la Torah, « Le'avdo bechol levavechem ». On le dit tous les jours dans les schémas Israël, le matin et le soir. Il faut servir Dieu avec son cœur. Le cœur, mettre vraiment du cœur du sentiment. Ne pas servir de manière froide, mettre du cœur. Le Zohar nous dit comme ça, Rachamana libabae. HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de nous, il a besoin de cœur. Dieu, il n'attend pas seulement quelque chose de froid, un accomplissement de la Torah et des mitzvot qui serait froid. Non, il attend une Torah qui soit vécue et une tefila, un service de Dieu qui soit accompli avec du cœur, avec du ressenti, avec de l'émotion. Pas que je sois détaché de ce que je suis en train d'étudier ou de prier. Comprendre les mots, les vivre, les ressentir.
Les Rachamim disent, qu'est-ce que cela veut dire que le Zohar nous dit Rachamana libabae, que Dieu attend de nous du cœur? Attendre du cœur, exiger du cœur, vous savez ce que cela veut dire? Les Rachamim, nos sages, nous disent, c'est de prier avec ferveur, mais également, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Mais quoi d'autre? Avoda Shebalev, c'est la tefila. Le travail du cœur, c'est la tefila. Quand on fait la tefila, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, on se relie avec lui. Et lorsqu'on se relie avec lui, le travail central et principal qu'il y a, et d'ailleurs très souvent dans l'étude de la Chassidut, nous permet justement d'aller chercher cette force particulière. C'est ce qui nous permet de nous donner des forces de concentration, ce qui nous permet de donner justement de la joie, de l'engouement, de la ferveur à notre tefila. Les mots dits, tels qu'ils nous ont été transmis par nos sages à travers les générations, les mots tels qu'ils nous ont été transmis par jusqu'à Anshe Knesset Agedola, les mots de la Tefila, de la Hamida, les Brachot, tous ces mots-là du Birkat Amazon, etc., c'est des mots qu'on le peut dire de manière totalement froide. Mais si on s'y arrête un petit peu, et puis qu'on rentre un petit peu dans les détails, qu'on prononce les mots, on est conscient que ça n'est pas juste des mots qui font et qui forment des lettres qui forment des mots et des mots qui forment des phrases. Et non pas seulement des phrases qui vont former des idées, et pour rapporter encore d'autres textes et d'autres versets qui ont été dits dans la Torah ou dans le Tanakh, dans la Bible en général. On comprend que tout ça et que chaque mot est là pour une fonction particulière. Que chaque mot va me permettre d'atteindre un niveau supérieur. Il va me permettre de m'élever, de comprendre ce qui se passe quand Dieu me donne ce qu'il me donne matériellement. Qu'il me donne tout cela pour que ce soit un moyen de transmission et un moyen également de transformation de mon être, de ma personne, de ma vie, du monde dans lequel je vis. Le parfaire, mais non seulement soumettre le mal au bien, mais surtout, 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 transformer ce mal en bien. Révéler la véritable vitalité qu'il y a dans chaque élément. Et la tefila, c'est un moment où on peut déjà dire les mots comme il faut, c'est un moment qui peut nous permettre de réveiller des sentiments qu'on a pour Dieu. La Chassidoute nous dit que prier, c'est d'abord étudier, c'est de réfléchir. Un temps pour réfléchir, un temps pour prier, un temps pour prier, un temps pour parler, un temps pour parler, un temps pour regarder son téléphone portable. Eh oui, étudier avant la tefila, c'est ce qui me permet de donner une ferveur aux mots que je vais prononcer lorsque je vais prier. Prier avec tranquillité, posément, dire mot à mot, comprendre ce que je dis, comprendre le message qu'il y a derrière les mots, réel, ce message profond. On sait que même il y avait parfois des chassidim qui chantaient pendant qu'ils priaient. Cela ne suffisait pas seulement de prier, de dire les mots. Parfois, il faut interpréter cette prière-là, cet attachement avec Dieu, avec un nigoun, un air musical, un air, un chant qui est là, qui n'a pas de mots, puisque les mots parfois enferment le chant. Les mots limitent le chant. Et parfois, la connexion qui peut se créer grâce au chant, c'est un no-limite, c'est un infini qui se crée. C'est une connexion avec l'au-delà qui est au-delà de tout, comme son nom l'indique. Un nigoun. Ya 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 ma ya ya ya
Aïe, 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 aïe. Tiri la ya ya yo ya ya ya. Alors vous savez, ça c'est le nigoun, la force du nigoun. Les chaim, les chaim, les chaim. Un très grand bonjour à l'arbre de vie qui est avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Que l'on puisse se retrouver très bientôt dans de belles fêtes pour célébrer la joie. Et là, c'est la joie et le bonheur d'étudier la Torah. Le nigoun, il a ceci de particulier, qu'il n'a pas de parole. Et quand il n'a pas de parole, il n'a pas ses limites. Quand le nigoun n'a pas de parole, il nous permet d'atteindre quelque chose de très très fort. Le nigoun, c'est la plume de l'âme. Pourquoi ? Eh bien parce que vous vous souvenez de cette idée-là, d'un corps sans âme et d'un corps avec une âme. Parfois, on peut accomplir une mitzvah, on peut dire des paroles de Torah, on peut prononcer des mots de Tefillah, un petit peu comme un corps sans âme, c'est-à-dire que le corps est là, les moyens sont là, les outils sont là, on prononce les mots, mais l'âme n'est pas là, elle n'est pas présente. L'âme n'est pas là parce qu'on prononce des mots techniques. On les dit, on les prononce, on les vit, on les partage, on les transmet, mais on ne les vit pas. Pourquoi ? On ne les vit pas vraiment. Il n'y a pas de vitalité dans ces mots-là. Parce que parfois, on le fait de manière technique, mécanique. Oui. On a l'habitude, on est né comme ça, puis c'est des brachot et des bénédictions et des versets que l'on prononce de la même manière, sans réellement se poser de questions. Le nigoun a cette force-là de dépasser le corps pour laisser l'âme s'exprimer, s'élever. Et puis s'attacher avec quelque chose de supérieur, une force supérieure, une sainteté particulière, une pureté, celle qui dépasse le corps, celle qui est infinie, qui a une influence sur les limites du monde, du corps, des objets, des actions, des mots que l'on prononce, mais qui n'est pas limitée par les outils. Elle a cette capacité d'influencer sans être touchée par les limites. C'est la raison pour laquelle les fervents chassides utilisent ce moyen-là d'expression qui leur permet de se connecter, de se parfois reconnecter avec Dieu pour donner une intensité à leur tefila, une intensité à leur prière et faire en sorte que leur prière puisse réveiller en eux quelque chose de fort, de puissant, afin que ce soit l'âme qui prie et non pas le corps, mécaniquement qui prononce des mots. Et puis, la troisième étape, on l'a dit, c'est la conduite. Étudier les lois qui nous sont données dans le Shulchan Aruch, c'est ce qui permet à l'homme, en réalité, de réellement prendre conscience et agir en conséquence. Le Shulchan Aruch, c'est ce qui est une feuille de route. C'est ce qui nous permet, un petit peu comme un entrepreneur qui désire et qui a un souhait phénoménal, un projet immobilier, imaginez, construire des immeubles, un immeuble de 80 étages. Il va devoir se confronter à énormément de problèmes pour agir et pour pouvoir accomplir son rêve. Oui. Mais il va aller au bout. Pour cela, il va s'asseoir un jour à son bureau, il va prendre un petit crayon, et puis il va noter, il va lister, il va créer ce qu'on appelle un projet. Et il va nommer toutes les étapes. Toutes ces étapes, c'est ce qui va lui permettre d'aller et d'arriver jusqu'au bout, au bout, au bout du bout de son projet, et de réaliser les plus belles choses qu'il a voulu entreprendre. C'est un petit peu ce qui s'est passé, enfin c'est pas un petit peu, c'est surtout ce qui se passe. Quand HaKadosh Baruch Hu nous a transmis la Torah et que le Chachamim nous ont transmis le Shulchan Aruch, la table de la loi. Qu'est-ce que c'est cette table de la loi ? Le Shulchan Aruch, c'est donc cette table-là qui est dressée. Et sur cette table dressée, il y a de tout. Tous les aliments sont là et comme dans toute table dressée, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. On a besoin de couleurs différentes, on a besoin de saveurs différentes. Il faut aussi qu'il y ait une décoration particulièrement belle et soignée. C'est ce qui va permettre à cette table d'être une belle table dressée. Cette table-là, c'est la vie d'un juif. C'est notre vie à nous, celle qui nous permet de nous attacher avec HaKadosh Baruch Hu, avec Dieu. Qu'est-ce qui nous permet justement de nous attacher et d'aller beaucoup plus fort et beaucoup plus haut que ce que la vie normale, la vie banale peut nous offrir a priori lorsque l'on ne vit pas ce message-là, lorsqu'on n'est pas dans cette quête et cette recherche? Eh bien, ce Shulchan Aruch, il va nous donner ce code de vie. Il va nous aider et nous donner des outils. Il va nous donner des moyens de pouvoir nous rapprocher, de pouvoir nous élever,
nous rapprocher, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, parce qu'on n'a pas tous les codes, on ne sait pas vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous et comment il attend chaque chose de nous. Comment est-ce qu'on va réussir tout cela? Eh bien, il faut absolument aller chercher, comprendre ce que Dieu attend de nous dans chaque moment de notre existence et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines qui concernent l'homme avec Dieu, Dieu avec l'homme, ou que ce soit les domaines qui concernent ce qu'un homme doit vivre avec lui-même, en lui-même, entre son intellect et ses émotions, ses traits de caractère, influencés comme il faut ou pas, et également de la façon avec laquelle il doit vivre avec ses semblables. Comment est-ce qu'il doit se comporter? Les traits de caractère d'un homme se révèlent à ces trois niveaux. Au niveau de l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire de la connexion du lien qu'il y a avec Dieu, là, ces traits de caractère se révèlent. Comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce que la patience est là? Est-ce que la patience n'est pas là? Est-ce que l'orgueil est là? L'orgueil n'est pas là? Tous les traits de caractère qu'on a déjà développés, qu'on continue à développer. Mais les traits de caractère vont se révéler également dans son rapport à lui-même. On l'a déjà dit, comprendre ce que nous sommes, c'est déjà maîtriser le rapport qu'il y a entre notre intellect, notre cerveau froid, et puis nos émotions chaudes. Maîtriser ces traits de caractère, c'est aussi les utiliser, et parce qu'on en a besoin, et parce qu'en fait, même quand on ne les utilise pas à bon escient et qu'on les laisse exister de manière naturelle, sans les diriger, eh bien, ils prennent leur place tout seuls. Ils n'ont besoin de personne. Les traits de caractère se révèlent naturellement. C'est un réflexe naturel. Ils réagissent en fonction de ce qu'ils vivent, de ce qui se présente à eux. Ils n'ont pas cette noblesse-là d'attendre de savoir ce que l'intellect décide ou pas. Ils s'imposent. Ils trouvent leur place. Ils ne se posent pas de questions. À nous de créer cette connexion avec le cérébral, avec le cerveau qui va justement lui donner à chaque élément sa place, donner à chaque élément son lieu, son endroit, et mieux que cela, son temps et son espace. Et ça, c'est très important. Chaque trait de caractère, cette richesse que nous avons en nous à travers notre trait de caractère, chacun, il est là pour quelque chose, il a sa force, il est là pour quelque chose, il n'est pas à être gâché. Oui, tout est positif, il n'y a rien de négatif. En fonction, et au moment et de l'instant qu'on l'utilise, eh bien, on pourra s'en servir quand il faudra et au moment où il le faudra. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est l'aimer intellectuellement, c'est l'aimer émotionnellement, mais c'est l'aimer également dans les actions. L'Echaim, l'Echaim, à chacun et chacune d'entre vous, réussir à se conduire avec amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est réussir à comprendre qu'il faut suivre ses enseignements, les enseignements du Shulchan Aruch, les lois qui nous sont dictées par Akadosh Baruch Hu, par Dieu dans tous ses livres de la loi. C'est comprendre que c'est nécessaire, pas parce que c'est des contraintes, parce que justement c'est ce qui nous donne la force, qui va donner l'élan nécessaire, c'est ce qui va donner tout le relief que chaque chose a. Chaque moment d'existence va pouvoir trouver son importance lorsque justement on va réussir à créer cette renaissance en nous. Il faut un sentiment au moment où on étudie la Torah. Il faut ressentir quelque chose quand on fait la tefila. On ne peut pas prier sans ressentir quelque chose. On ne peut pas accomplir une mitzvah sans ressentir quelque chose. Il faut ressentir, il faut créer, il faut susciter un désir profond, une passion, une fougue pour Akadosh Baruch Hu, pour la sainteté, lorsque l'on accomplit la Torah et les mitzvot. Ça ne peut pas rester un geste banal ou un vécu banal. Ça doit être quelque chose de vécu. Un jour, c'était un jour de Shabbat. On s'est présenté devant Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui était un très 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 grand tzaddik. On est venu, on lui a présenté un verre de vin pour qu'il puisse faire le kiddush, sanctifier le Shabbat. Un bon verre de vin. Un vin comme il fallait. Royal Wine, le top du top. Imaginez, hein. Allez, qu'est-ce que vous aimez? Léovie Poiféré, voilà. Un bon millésime, le meilleur. 2012 ou 2016, bon, on peut aller chercher plus loin. Le 2004, voilà. Comme vous voulez, ce que vous préférez. Royal Wine a ce qu'il faut, sachez-le. Et donc, on lui apporte un bon verre de vin, un beau cos de Kiddush. Rabbi Nachum de Tchernobyl est là, mais là, au moment où on lui donne le verre de vin, il prend le verre dans la main et ses mains tremblent. Ses mains tremblent et puis le vin s'est versé complètement, s'est déversé. Et puis,
le vin qui était dans le verre s'est vidé complètement. On a tout de suite rempli ce verre une deuxième fois. Et encore une fois, ses mains-là tremblaient. Et puis les mains du Rabbi Nachum de Tchernobyl qui tremblent. Vous l'imaginez, c'est un tzaddik. Il y a bien une raison derrière tout cela. Jour de Shabbat, le vin se déverse sur la table. Imaginez, un grand vin. Et c'est comme ça que cela se passe plusieurs fois. À la fin, au bout de quelques fois, son verre de vin reste rempli et il réussit à maintenir ce verre comme il faut. Et là, il fait le kiddouche et il sanctifie le jour de Shabbat. Les chassidim qui étaient autour, ses élèves lui demandent la question. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous étiez en train de trembler autant? Il a réexpliqué, il a dit, lorsque l'on m'a apporté ce verre de kiddouche, j'ai commencé à penser à une seule chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bénir Akadosh Baruch Hu. Je suis en train de demander à Akadosh Baruch Hu de nous sanctifier par le jour du Shabbat à travers ce verre de vin. Et donc j'ai commencé à réfléchir et à penser, à vibrer et à vivre ce message. Vivre le message de la sanctification du jour du Shabbat avec un verre de vin. On ne peut pas y rester insensible. Lorsqu'on est le Rabbi Nachum de Tchernobyl, un grand sadique comme lui, mais également lorsque nous sommes chacun, tout un chacun, chacun avec notre niveau. Même toi, Yoël, qui nous rejoins, c'est un plaisir de te voir. Chaque personne, quand on fait et qu'on prend ce verre de kiddouche, quand on allume les bougies de Shabbat, chaque petite chose que nous faisons, peu importe, à notre niveau, on est censé vibrer, trembler de ce que nous sommes en train de faire. Rabbi Nachum de Tchernobyl le vivait, ce message. Prenez conscience, quoi. Je suis là et je fais kiddouche devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, le roi des rois. L'infini du Saint béni soit-il se révèle à moi. Au-delà de l'espace et du temps, le jour du Shabbat, on se coupe du monde. Et à travers ce verre de vin, de bon vin, je suis en train de sanctifier ce jour et je révèle la présence de Dieu ici-bas, sur terre. Mais c'est extraordinaire, c'est phénoménal, c'est grandiose. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tremblé. J'ai pensé à ce que j'étais moi et ce que lui était. Qu'est-ce qu'il était grand et comment moi j'étais tout petit. Et puis, j'ai eu cette crainte-là qui est venue, qui est tombée sur mon corps entier et qui a fait que j'ai tremblé. Est-ce que vous, ça vous arrive, vous, de trembler lorsque vous faites une mitzvah? Dites-le moi, écrivez-le lorsque vous allumez les bougies de Shabbat, lorsque vous respectez les lois de pureté familiale. Est-ce que vous tremblez face à la sainteté qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'installer sur vous, sur votre foyer, sur l'harmonie de votre couple et de votre famille? Est-ce que vous vibrez, est-ce que vous ressentez des larmes de joie lorsque vous faites la mitzvah des téfilines ou de la mezouza que vous allez embrasser le soir avant de dormir? Est-ce que vous faites le tour de chaque petite chambre chez vous à la maison pour poser votre main droite sur la mezouza, pour l'embrasser, pour demander à Akadosh Baruch Hu de garder et de bénir vos enfants, vos proches et votre famille? Est-ce que vous le faites? C'est un secret. Sachez-le, nos sages le disent. Embrassez cette petite mezouza. Vibrez. Ressentez. Est-ce que vous le ressentez? Écrivez-le. N'ayez pas peur. C'est important. J'ai besoin de vos réactions. Écrivez-le, likez, partagez. Faites-le. Que ce soit maintenant en live ou en replay. Je compte sur vous. N'est-ce pas? Est-ce qu'on vit les choses comme Rabbi Nachum de Tchernobyl? Est-ce que vous êtes capable de vibrer, d'avoir peur? Pas peur parce qu'on a peur de la main de Dieu, parce qu'il est méchant. Pas du tout. Dieu est gentil, Dieu nous aime. Est-ce qu'on vibre? Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on est conscient de ce message? Est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe quand on fait une mitzvah, qu'on s'attache avec Dieu? Est-ce qu'on a réussi à éprouver de la joie véritable? Si ça n'est pas le cas, c'est qu'on a vraiment du travail. Mais un travail intéressant, à la découverte de ce que nous sommes, nous, réellement. Les chaïms, que Dieu nous aide à pouvoir dire les chaïms sur du bon vin et en être conscient et même jusqu'à en trembler de joie. C'est ce qui donc va donner une réponse à notre question principale. Pourquoi est-ce si nécessaire non seulement de comprendre et d'assimiler la conscience même de la présence de Dieu dans tout ce qui se passe dans notre vie, dans nos éléments spirituels comme matériels, mais également, pourquoi est-ce si nécessaire de ressentir? Si on est capable de trembler lorsqu'on fait une mitzvah, de joie ou de crainte pour Dieu,
c'est que ça va, c'est qu'on est sur la bonne route. Mais si ça n'est pas le cas, on a besoin d'aller découvrir ce qui se passe. Comment est-ce que le ressenti et l'émotion est très important et si importante, et comment est-ce que je peux la révéler et réveiller cette émotion et ce sentiment pour Dieu? Et pourquoi est-ce si nécessaire? Apprendre à connaître, à savoir ce qui se passe, le schéma, le mode, le processus, le cheminement qui amène et qui révèle et qui permet au sentiment et à l'émotion d'être une émotion qui ressent quelque chose de noble et de phénoménal et d'exceptionnellement spirituel et sain, comment j'y arrive? Comment je peux créer ce processus-là? Et est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux y réussir? Le problème, c'est que parfois, il nous manque un de ces trois éléments. Et comme dans toutes les bonnes recettes, c'est les meilleurs traiteurs vous le diront, il faut qu'il y ait chaque élément au bon endroit au bon moment et dans la bonne dose. Le problème, c'est qu'il parfois il nous manque un de ces éléments. Les trois éléments, nous l'avons dit, c'est l'intellect, le sentiment et la conduite, c'est-à-dire les actes. Oui. Parfois, il nous manque un de ces éléments-là. Parfois, entre ce que je veux et ce qu'il y a, il y a un décalage énorme. On a pu présenter et voir un petit peu ensemble, ce qui était nécessaire et ce qui était voulu. Mais entre ce qui est nécessaire et ce qui est voulu, est-ce que réellement on réussit à faire, il y a, bien sûr, un grand décalage. Le premier de ces trois éléments, nous l'avons dit, c'est l'intellect. C'est aussi le sentiment, c'est aussi la conduite, mais le premier, c'est l'intellect. Ce qui paraît le plus banal et plus normal et plus habituel dans la vie de tous les jours, c'est que pas toujours nous avons la possibilité d'agir et de faire ce que nous devons faire, toujours comme on doit le faire, et pas toujours on réussit à faire ces trois parties ensemble, c'est-à-dire l'intellect, le sentiment et l'action concrète. Que ce soit par rapport avec l'autre, ou que ce soit par rapport déjà avec nous-mêmes, ou même avec HaKadosh Baruch Hu, pas toujours nous y arrivons. Prenez des exemples assez simples, qui nous arrivent un petit peu tous les jours. Alors, parfois on a un sentiment qui passe et qui est présent et qui nous emmène une volonté et une ferveur, un désir, et en même temps une conduite qui convient à ce désir et à cette volonté. Mais le cerveau, ce cerveau-là, ne se soumet pas. Un petit instant, donnez-moi un petit instant, ne bougez pas, un petit instant. Voilà, ça c'est fait. Un petit instant, messieurs. Voilà. C'est parfait. Tac, tac. Voilà, on est là. On ne bouge pas. L'Echaim. Alors, parfois, il y a un seul élément de ces trois éléments. Parfois, il manque de sechel. Parfois, il manque d'intellect. Parfois, il n'y a que du sentiment. Parfois, le sentiment, il passe véritablement, il passe avec du ressenti. Il y a un engouement, il y a une chaleur. Et il y a un comportement qui est convenable et qui correspond à cela. Mais dans le cerveau, si vous voulez, dans l'intellect, on n'est pas vraiment persuadé de ce que nous sommes en train de faire. On vit la chose, on en a envie, on éprouve quelque chose, un sentiment qui est fort, donc on agit en conséquence. Mais dans le cerveau, le message n'est pas encore passé. Je ne comprends pas vraiment pourquoi je dois m'attacher avec HaKadosh Baruch Hu, avec Dieu, mais je le fais parce que ça me plaît, parce que je ressens quelque chose. Mais est-ce que j'ai mis mon cerveau à ce moment-là? Non, pas spécialement. J'ai ressenti quelque chose, donc j'agis en conséquence. Parfois, il manque de sentiment, c'est-à-dire que j'ai l'intellect, mais je n'ai pas le reste. Je n'ai pas le sentiment. C'est-à-dire que le sentiment ne se réveille pas. Je n'ai pas d'engouement, je n'ai pas de chaleur, je n'ai pas de motivation, tout est sec. Et donc, parfois, concrètement, le comportement, il est comme il faut, mais derrière, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire que je fais ce qu'il faut, mais je ne ressens pas vraiment pourquoi est-ce que je dois le faire. Je le fais mécaniquement, parce que depuis que je suis tout petit, je le fais. On se reconnaît tous, hein ? On ne va pas donner les détails, mais chacun et chacune, en fonction de son niveau de religiosité, on a cette,
cette façon de vivre et on vit de cette façon-là. Parfois, il manque de la conduite, la concrétisation par les actes et de quoi il s'agit. Parfois, il y a l'intellect, parfois il y a le sentiment, mais il n'y a pas la conduite. C'est-à-dire que le cerveau comprend qu'il est fort raisonnable de faire telle ou telle chose, que je dois me comporter de telle ou telle façon. Cela est nécessaire, c'est primordial, c'est même vital pour moi de me comporter de cette façon-là. Mon intellect me le dicte, il me dit « il faut que tu fasses et que tu accomplisses la Torah et les mitzvot, que tu t'attaches à Dieu, que tu fasses la tefila, que tu fasses telle mitzvah ou telle mitzvah. » Mais également, si vous voulez, ce cerveau-là qui va créer, qui va susciter même un ressenti, une émotion qui vont aller dans ce sens-là. Le cœur va ressentir. Il sera intéressé à accomplir ce que son cerveau lui a dicté d'accomplir. Mais il ne va pas descendre dans les actes. On ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, mais sa conduite ne correspond pas à ce qu'il a compris. Et puis, je sais aussi qu'il y a derrière chacun et chacune d'entre vous et de nous, hein, tous ici présents, et ceux qui seront encore présents un petit peu plus tard. Vous savez, c'est comme Matan Torah, être en live sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi ? On dit que quand on a reçu Matan Torah, toutes les âmes étaient présentes au moment où Dieu lui a donné la Torah. Mais pas seulement les âmes qui vivaient à l'époque, hein, même vous et moi, là, on était présents au moment de Matan Torah. Et bien là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on est en train d'étudier la Torah, eh bien, il y a ceux qui vont regarder en replay ces vidéos, et puis étudier à travers ces mots-là qu'on est en train de prononcer. Donc, ils sont présents avec nous. Donc, il y a derrière nous le potentiel de toutes les âmes que vous allez pouvoir toucher, vous, chacun et chacune d'entre vous, là où vous êtes, en partageant cette publication-là et ce chiour, ce cours. Parce que chaque personne-là, qui potentiellement pourrait être là et qui sera potentiellement là au moment où elle va regarder ce cours, si vous allez partager ce cours-là, eh bien, c'est un petit peu comme en Matan Torah. Elle va vibrer les mots de Torah qui y sont prononcés. Donc, vous savez, c'est à vous de jouer. Hein. Tout est dans vos mains. Alors, allez-y, c'est rien, c'est 2-3 clics et puis 2-3 likes. C'est important, chacun. Bon, revenons à notre occupation concrète. Oui, je peux comprendre, je peux vouloir, je peux ressentir, mais mes actes ne correspondent pas à ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti. On éprouve tous cela, on l'éprouve en notre fort intérieur, on éprouve cela. Parfois, on est celui qui comprend, mais qui ne ressent pas, mais qui fait quand même. Parfois, on est celui qui fait, mais qui ne comprend pas et qui ne ressent pas. Parfois, on est celui qui ressent, mais qui n'a pas envie de faire, mais qui ne comprend pas. Parfois, on est celui qui comprend, qui ressent et qui fait. Tout dépend de notre niveau. Et parfois, on est tous cela en même temps. On est un jour celui qui comprend et qui fait sans vouloir. On a celui qui fait, qui comprend, mais qui ne ressent pas. Et parfois, il y a des jours où on se lève, où on ressent, mais on ne veut ni faire et ni comprendre. On est tous un petit peu cela. Il faut apprendre, justement, à mettre un petit peu d'ordre dans notre vie, à prendre conscience de ce que nous sommes, et puis à diriger ce beau bateau-là qui doit se promener sur cette magnifique mer qui, parfois, emprunte des tempêtes et des bourrasques. L'Echaim. Bon, le problème principal, vous savez ce que c'est ? C'est pas l'intellect. A priori, on pourrait dire le problème c'est l'intellect, c'est-à-dire que j'ai pas assez assimilé, j'ai pas compris ce qu'il fallait que je comprenne. En réalité, on nous dit non. Les textes de la Chassidoute nous disent non, le vrai problème, il démarre où ? Il démarre au niveau des sentiments. Le problème, c'est quand on n'a pas envie. Mais mon fils, vas-y, fais ci. J'ai pas envie. Mais fais ça, s'il te plaît. Non, je n'en ai pas envie. On place tout sur le principe même de l'envie et du désir. Alors là, bien sûr, on donne l'exemple d'un enfant qui ne veut pas faire ce qu'il doit faire parce qu'il n'en a pas envie. Mais il faut savoir que ça nous arrive à toutes et à tous. On est tous des grands enfants. La plupart des choses que nous faisons pas, et la plupart des choses que nous faisons, que nous choisissons de faire, nécessitent et puis sont assujetties aux sentiments et aux ressentis et à la volonté qui provient du désir et de la pulsion. Qu'on le veuille ou non, souvent, c'est ce qui se passe. C'est le sentiment, c'est l'émotion qui nous régit, qui nous bouge, qui nous motive. Par définition, la motivation, c'est le sentiment et c'est le ressenti. Oui, c'est nécessaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le bon ressenti. Quelle est la part la plus importante qu'il y a dans un homme, dans ces trois principes-là, qui sont l'intellect, l'émotion et la conduite réelle, qui a le plus de place, c'est le ressenti, parce que souvent, c'est ce qui manque et c'est ce qu'il y a en plus. Ce qu'il y a en plus dans ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire
le sentiment et l'émotion qui est là et le désir dans ce qu'on ne devrait pas avoir comme ressenti et comme émotion, et puis le manque de sentiments et d'émotions qu'on a, on devrait avoir dans ce qu'il faut et que nous n'en avons pas. Comment je fais pour faire en sorte que dans ma vie, je vais ressentir ce qu'il faut et pas ce qu'il ne faut pas? En réalité, il faut savoir une chose. Plus on va investir dans le côté positif, et plus on va se détacher du côté négatif. Ça paraît banal, mais non. Il faut apprendre à anticiper. Anticiper, c'est si tu crées et tu fais un système, et tu crées chez toi un système, où tu vas ressentir des émotions, et tu vas vouloir, et tu vas tout faire, tu vas mettre les moyens. Tu vas te mettre en disposition de la même manière que quand tu pars en vacances, tu t'y prépares quelques mois avant, confinement ou déconfinement. Tu prépares et tu imagines déjà comment cela va se passer. Tu crées tout ce processus-là. Tu te dis de quelle façon tu vas voyager, là où tu vas habiter, quelles sont les activités que tu vas faire, comment est-ce que tu vas te comporter, quels sont les moyens qui sont à ta disposition, où aller, comment aller, de quelle façon. Tu imagines déjà, tu te vis déjà dans ce processus et dans ce que tu as envie de vivre. Ce que tu veux ressentir, tu lui donnes tous les moyens. Tous les moyens sont mis en œuvre pour assouvir tes désirs. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas tous comme ça, matérialistes. Bon, faux. On est tous un petit peu comme ça. Même si là, c'est décrit avec des traits, avec des loupes, mais on est tous un petit peu comme ça. On ressent cela. On ressent qu'on a besoin de donner des moyens. On utilise tous les moyens qui nous sont mis à notre disponibilité pour assouvir ces désirs. Et je vais vous dire mieux que ça. Et il faut dire merci à Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne, et Bezrat Hachem qui va nous donner à chacun et chacune d'entre nous, l'infini, richesse matérielle, mais aussi spirituelle. Oui, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de vivre dans l'opulence matérielle, dans la richesse matérielle, pas de contrition. Non, réellement, vivre dans la largesse. C'est important de servir Dieu dans la largesse. Akadosh Baruch Hu qui donne à chacun et chacune d'entre vous, et dites-le, amen, écrivez-le, amen, vi amen, que tout le monde puisse être dans la richesse matérielle et spirituelle. Ah ben oui, c'est facile, c'est plus facile, mais il ne faut pas oublier, hein, n'oubliez pas, lorsque vous serez riche ou si vous l'êtes déjà, on est riche pour quelque chose, on est riche de ceux qui ne s'achètent pas, on est riche de ceux qui se vivent, de ceux qui se possèdent parce qu'il l'est introduit dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur, parce qu'on s'attache avec Dieu. Ça, c'est la vraie richesse. Et on utilise cette richesse pour justement assouvir nos désirs, nos pulsions. Mais des pulsions et des désirs et des ressentis, des sentiments et des émotions qui soient dirigés comme il faut. Non pas que je subis mes émotions, mais que je dirige mes émotions. Et c'est là la différence qu'il y a entre un homme et un animal. Ben oui. C'est pas mon instinct qui me dit d'aller à droite ou à gauche, de ressentir telle ou telle chose, mais c'est mon intellect qui doit le diriger. Lorsque ce fait mon instinct, c'est mon côté animal, c'est-à-dire mon côté bestial, et lui, il peut emmener là où il veut, quand il veut et comme il veut. Eh oui. Il faut absolument que j'aille chercher ce que mon intellect me demande. Mais vous allez voir que parfois, le sentiment se réveille en moi, il s'exprime à travers du désir, il s'exprime à travers un empressement, un zèle pour telle ou telle action, pour tel ou tel vécu. Mais parfois, le sentiment est totalement éteint. Et parfois, malheureusement, une personne même, pour éprouver le sentiment de quelque chose de négatif, il ne l'a pas, ce sentiment. Parfois, dans la vie, on peut éprouver ce moment-là où on n'éprouve même pas le désir, de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Mais même ce désir n'est pas là. Et là, quand il n'y a pas le désir, lorsque tout est éteint, alors là, c'est la catastrophe. Lorsque tout est éteint, celui qui est éteint, eh bien, ne peut plus se présenter à nous et ne peut plus vivre en nous. Pour pouvoir révéler celui qui est éteint, il ne faut jamais s'éteindre. Ah oui, l'chaim. Celui qui est éteint, c'est-à-dire celui qui perd l'engouement, la valeur, la pulsion et la ferveur, la chaleur, la volonté, la fougue, dans tout ce qu'il fait, même si c'est quelque chose de matériel, même si c'est un projet qu'il doit réaliser matériellement dans son monde social, dans son environnement physique, dans ce qu'il fait, dans son business, dans ce qu'il développe, dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Il ne doit jamais perdre la ferveur et la fougue. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec vitalité. Celui qui a cette vitalité sera en capacité et pourra transformer cette vitalité qu'il a, cette fougue, cette chaleur et cette envie, ce désir, dans quelque chose de positif. Mais quand il ne l'a même pas dans les moments et dans les domaines qui sont neutres, il ne pourra pas s'attacher à la dimension la plus réelle qu'il a en lui. Il ne pourra pas réellement se révéler. Il ne va pas vivre avec chaleur sa vie,
de la Torah et de Mitzvot. Malheureusement, on voit que parfois tout est sec. Il n'y a pas ce désir, il n'y a pas cette passion, non seulement dans la Torah, mais également dans la vie. Voilà. Le dégoût de la vie s'installe. Il est là, il est présent. Et puis l'abandon. Et puis la sécheresse sentimentale, émotionnelle. Et puis le cerveau n'est plus irrigué, puisqu'il n'est plus nourri par une sagesse, par quelque chose qui va susciter tout ce système d'enchaînement et de mode de fonctionnement qui va nourrir également ensuite le sentiment. Parfois le sentiment, lui, il va tout éteindre. Le manque d'émotion, le manque de ressenti va tout éteindre. Il va éteindre non seulement le ressenti, il va éteindre aussi les actions, puisque les actions, elles suivent les sentiments, les ressentis, les émotions. Et lorsque les émotions s'éteignent et que les actions s'éteignent, le cerveau s'éteint lui aussi. Et là, il n'y a plus personne. Et là, on peut être quelqu'un de vivant, d'agir, d'être là, de parler, de penser, mais être comme une machine, comme un robot. Le faire mécaniquement, sans réellement le vivre, sans passion, sans fougue, sans volonté, sans chaleur, sans joie véritable. Mais un homme sans joie, un homme sans fougue, un homme sans chaleur, un homme qui ne vibre pas, un homme qui ne ressent pas, un homme qui ne ressent pas chaque moment de sa vie, qui ne se sent pas vivre, qui ne sent pas la vitalité, qui envahit sa personne, négativement ou positivement, n'aura pas la possibilité réellement de pouvoir donner un sens à sa vie. Et bien sûr qu'il ne pourra pas maîtriser ses traits de caractère. La base de la maîtrise des traits de caractère de sa personne, c'est lorsqu'il est capable de ressentir. Et lorsqu'on peut ressentir que nous-mêmes, nous sommes en train de ressentir ce que nous ressentons, ce que nous sommes, c'est-à-dire être capable de ressentir qu'on est dans un état de sensation, de sécheresse totale, d'abandon, où là on n'éprouve rien, plus d'intérêt pour rien ni tout, là c'est la cata, comme dirait l'autre. Eh oui, et donc qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, il faut réveiller tout cela. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Eh bien, il suffit juste de se lever, de danser. Voilà, vous êtes chez vous à la maison, vous vous levez, vous vous dansez, puis vous redonnez de l'existence à votre vie. Vous lui redonnez de la vitalité, vous renaissez de vos cendres. Oui, parce que au fin fond de ce cœur-là, au fin fond de ce sentiment qui est complètement bloqué, complètement interdit, complètement infiniment assombri, parce qu'il y a une couche, une autre couche de tristesse qui s'installe et qui fait que vous n'existez plus. Alors vous avez la possibilité de vous lever et de danser, mais vous avez aussi la possibilité de faire autre chose. Vous avez la possibilité, eh bien, tout simplement, de chanter. Vous pouvez chanter avec moi. C'est très facile de chanter. Alors oui, la joie, ça peut aider. Ça peut aider parce qu'en fait, ça nous permet, si vous voulez, de sortir de ce carcan, de ces limites dans lesquelles nous nous trouvons. On est bloqué. On est bloqué par ces sentiments qui nous ont complètement plombés. Oui, on n'éprouve rien, même de, tout simplement, d'aller marcher dans la rue, d'aller respirer un exercice physique. Oui, le mouvement, c'est ce qui va nous faire ressortir de toute cette stupeur-là, de cette torpeur-là. Oui. C'est le mouvement matériel, physique, qui va créer, qui va régénérer, qui va susciter cette émotion, ce ressenti. Et que quand ce sentiment, ce ressenti là-bas, retrouver en réalité tout son bonheur de vivre, toute cette vitalité, alors on pourra remettre la machine en marche et créer un processus inverse. C'est le sentiment qui va redonner l'envie d'action, qui va redonner l'intellect à l'intellect, qui va irriguer l'intellect. Et l'intellect va se mettre en mouvement pour pouvoir, eh bien, tout simplement, agir en fonction de ce que ces sentiments ont voulu révéler en lui, donner des moyens, donner des outils, et puis là, redonner une dimension infinie à sa vie. La dimension infinie, vous savez ce que c'est? C'est celle qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne à chaque moment de notre vie. Celle qu'il nous a donnée ce soir pour nous retrouver tous ensemble, pour étudier et partager ces moments de bonheur. Et je vous en remercie, et la meilleure façon de remercier Hakadosh Baruch Hu, c'est de partager. Je compte sur vous. C'est grâce à vous si nous sommes là ce soir.
Et si vous voulez que cela continue, eh bien, continuez à partager parce que c'est là notre force. C'est ces partages-là. Et puis vos likes, vos pouces, c'est important. Alors, on a essayé d'avancer aujourd'hui et on a réussi, Baruch HaShem, à avancer comme il fallait. J'en suis sûr et certain, vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, allez-y, mettez des pouces et partagez, c'est important. Demain, Ezrat HaShem, avec l'aide d'HaShem, on développera un petit peu plus comment réveiller et ressusciter ce sentiment et cette émotion, ce ressenti, cette volonté. Je vous bénis et je demande à Kadosh Baruch Hu de vous bénir. Que Kadosh Baruch Hu nous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il éclaire sa face et qu'il fasse en sorte que tout ce que vous allez vivre à partir de maintenant, cet instant précis, jusqu'à demain et tout le reste de votre vie, ce soit quelque chose de sublime, d'intense, qui soit vécu dans les émotions, qui soit vécu intellectuellement et qui fera en sorte que vos actions prendront un élan, prendront une ferveur, une sanctification, une pureté. Qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il apporte la guérison totale à tous ceux qui en ont besoin. J'ai vu défiler de temps en temps des noms. Je n'ai pas la possibilité de lire tous les noms qui défilent. Donc, Kakadosh Baruch Hu envoie la refoua shelema, la guérison totale et complète à tous les malades d'Israël, peu importe là où ils sont. Une grande pensée pour toutes ces personnes-là. Vous savez, ces vieilles personnes qui sont dans les EHPAD. Vous savez ce que c'est les EHPAD ? C'est des maisons de retraite, là où il y a des vieilles personnes qui sont toutes seules. Elles ont vécu des moments très durs. Très, 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 très durs. Je garde le sourire quand même parce que le but, c'est quand même de garder la joie. Des moments très durs puisqu'elles sont seules pendant près de 2 mois, là. Et si on a la possibilité d'aller et qu'on connaît une personne qui serait seule, faites-le. Allez dire un petit bonjour, allez donner un sourire, allez donner une petite fleur, allez apporter un petit gâteau, une petite douceur ou un petit chocolat. Et oui, parce que ça peut redonner la vie, redonner de la joie à ces personnes qui sont seules. Kakadosh Baruch Hu vous bénisse tous, que l'on se retrouve très bientôt avec le Mashiach Tzidkenu, Mashiach qui se révélera. Et puis on étudiera ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash, imaginez, avec les Kohanim, avec les Lévim, et que tous ensemble on puisse chanter, danser. Shibane Beth Amikdash Mibera Beyameinu Ten Chelkeinu Betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכן רפואה שלמה פה, חיים דוב בן ויקטוריה. חיים דוב בן ויקטוריה, רפואה שלמה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. רפואה שלמה פור ציון בן מרים. ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ויתן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ויתן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. רפואה שלמה פה, רפאל שנור זלמן. רפאל שנור זלמן בן ברכה שמחה, on l'a dit au début du cours, ברוך השם, pour des bonnes nouvelles. שיבנה בית המקדש. Bienvenue et chazak à toutes et à tous qui nous ont suivis sur tous les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse, continuez à le faire. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי, שיבנה בית המקדש
b'meram b'yameyeno. V'teneh elekeinu b'toratecha. À très bientôt et des bonnes nouvelles pour toutes et tous.